Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte où je vais vous découvrir la démo du jeu Réveil. Et oui, le Steam NeoFest est de retour pour tester plein de démos pendant une semaine. J'ai une vingtaine de démos prévues de tester, donc ça va être très intense niveau tournage pour moi, mais on va essayer de faire avec. J'ai une semaine pour tester maximum de jeux. Alors là, j'ai pris tous les jeux qui étaient dans ma liste de souhaits et qui a une démo disponible. Donc voilà, donc on commence avec le jeu Réveil. Donc c'est un jeu qui est développé par Pixel Split, édité par Dayclick Entertainment. Pas de date de sortie de prévu, il y a juste écrit prochainement. Et donc c'est un jeu d'aventure indépendant horreur. Voilà, donc je vais en sélectionner le sauvegarde 1. J'ai vite fait voir les paramètres parce que voilà, il y a la langue des textes en français. Accroupissement permanent, bon, voilà, activé, ouais. Je vais jouer au clavier, est-ce qu'on peut changer? Bien sûr! Ça c'est cool qu'on puisse changer les ZQSD, ok, tac tac tac, contrôle pour s'accroupir, ok, graphisme, voilà, ça c'est très bien comme ça, tac tac tac, tout est en élevé, c'est très bien, ok, 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 retour, je vois si tout va bien, oui ça fonctionne pour vous, let's go, partons pour la démo. Et ça, c'est cool d'avoir la démo en français. Donc, le jeu est prévu de sortir en français aussi, voilà. Comme vous pouvez le voir, la démo, si la démo est en français, le jeu sortira en français, bien sûr. Let's go. Ok, regardez autour de vous. Ok. Donc, on a un chemin qui se crée devant nous. Donc, voilà, let's go. Way. L'ambiance musicale est plutôt cool. Pour l'instant, le jeu est beau. Le jeu, je trouve beau. Après, on n'a pas vu grand chose. Mais on verra. Ah, petit temps de chargement encore. Oh, on est dans un train, on est en train de faire une attraction. Trop bien. Oula. Oula, c'est bizarre, ça bug, ça glitch. Waouh, oh l'écran. Je vous laissais un peu l'environnement musical. Voilà. Donc voilà, on est. Je sors un peu de mon domaine de prédilection sur cette chaîne. Je fais pas beaucoup de jeux d'horreur, bah voilà, on en fait un. Il y en a d'autres, il y en a deux, un ou deux autres encore de prévus dans les démos. Donc voilà, je sors un peu de mon domaine de prédilection, mais le jeu est dans ma liste de souhaits, donc voilà. Et peut-être pour vous, ça va vous faire découvrir des jeux. Wow, what a strange dream. My head hurts. I need to get this headache under control. Ok, je pense qu'il faut aller chercher des médicaments. Well, please usually help. I should take a couple. Bon bah voilà, j'ai trouvé le médoc. Faire pivoter un objet. Ok, on peut faire pivoter un objet, on peut zoomer. Et on peut quitter l'observation. Ok, sympa. Ok. Après c'est médoc, c'est bon. Maybe Martha and Dory are still up. Martha et Dory. Oh. Ah non, c'est les médocs qu'on peut observer, ok. Ok, voyons voir. Sauvegarde. Alors je sais pas combien de temps dure la démo, on va essayer de la faire. Find the time and money to travel. Texte en surimpression avec tab, c'est ça? Ouais. Salutations en si. Ok, c'est ce qui est écrit ici. Salutations ensoleillées de Tampa, Floride. Quelques jours de vacances à Tampa, il fait vraiment beau. La vie est agréable ici. Je vais sûrement rester un peu plus longtemps. Petit problème de traduction, je vais sûrement rester un peu plus longtemps. Il y a un resté qui est en trop. J'espère que vous allez bien. PS, la bise à Walter de ma part. Henry, Martha Thompson, 1032 High Street, Youngstown, Ohio. Je pense que OH c'est Ohio. 44502. Ok. Ok, ok. Let's go. Y a rien par là. J'aime bien un peu fouiller. Voir.
Si on a des choses à récupérer. Ouais, désolé si je baille un peu, je tourne cette vidéo, il est un peu tard, il est 2h du mat, un peu plus de 2h du mat quand je tourne cette vidéo. Montrer les indices avec tab. Non, H. Ok, avec H, on peut voir ce qu'on peut récupérer. Ok. Un petit coffre. Oh! J'aime bien les jeux où on rigole comme ça. Il manque une figurine. Ok, c'est bon à savoir. Espace pour quitter, c'est vrai, j'oublie toujours. Bah, il y a la figurine. Bon, bah voilà. Hop! Hop! Let's go! Et là, on peut tourner ça. Ah, les petites boîtes à musique des jeux d'horreur et des films d'horreur, on aime ça. Oh, il y a une clé. Putain, ça renferme une clé cette boîte. Ah bah récupérons la petite clé. Clé de la chambre. Ok. Voilà. Première énigme réussie du jeu. Ah, c'est un truc de mariage. Monsieur et Madame Bruce Lewington vous prient de les honorer de votre présence au mariage de leur fille, Jennifer Lashley à Oliver Grivies, fils de Monsieur et Madame James Grivies, le 20 mars 1981 à 5h30, église de Saint-Marie, Youngstown. Ok. Ok, on était invité à un mariage, mais trop de trucs. Ok, il y a une lettre. Oula. I wish we still had the time. Le courrier habillé en jaune, Edgar Paul. Qu'est-ce que je pense de ce livre? Bon arc narratif, j'ai apprécié leur relation, les épreuves et la façon dont il les surmonte. Je me suis senti impliqué et investi dans l'affrontement final. Walter aurait aimé ce livre. Question pour le club de lecture de la semaine prochaine. Si vous devez tirer un film de ce livre, quel acteur choisirez-vous? Quel est votre passage préféré et pourquoi? Ok. H. On peut voir. Ok, là, il faut une clé, il y a une lettre ici. Là, il n'y a rien du tout. Ouais, je vais souvent faire H pour voir un peu les... Le truc qu'on peut... Oh, la lumière a clignoté. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Affaire. Mot pour la rencontre parent-professeur Dory. Course. Préparer le dîner. Aider Dory à faire ses devoirs. S'entraîner avec Dory pour le prochain spectacle. C'est fait vu que c'est barré. Lire nouveau livre pour le club de lecture. Acheter peinture et pinceau neuf. C'est fait. Sortir les poubelles. Appeler l'instructrice de Dory, Madame Hernandez. Donner à Dory une lettre d'absence pour son voyage scolaire. Faire la vaisselle. Appeler le cabaret pour le spectacle de la semaine prochaine. C'est fait. Ok, bon bah. J'aime trop les jeux d'horreur où on ouvre et on ferme les portes en clisse. Petit tremblement de terre, c'est rien. Mais oui, c'est courant dans le... ici. Super, les interrupteurs qui fonctionnent que dalle. On aime. Le téléphone qui... Ok, texte. Hein. Jour sans appel. Ok. Ok, ok. Petit couloir, comme on les aime dans les jeux d'horreur. Si je gueule, vous comprendrez pourquoi. Oula! Oula, le jeu qui a ramé. Je commence à pas être bien. on peut arrêter ici le jeu, la démo. J'entends un truc qui grince. Someone left the record player on. Putain, c'est un tourne-disque. Okay. Il m'a fait peur quand il a parlé. Je m'attendais pas à ce qu'il parle. Il m'a fait peur. Dory et Martha. Where are they? Pourquoi je peux pas... C'est derrière? C'est comment? Ah. Ok, il faut juste ouvrir comme ça, c'est vrai. I am not looking forward to it. Ok, c'est un truc de l'école. École primaire de Lakeside, Youngstown, Ohio. C'était bien l'Ohio, H. Le 25 avril 1981. Cher monsieur et madame Thompson, c'est à nouveau l'heure de rencontre parents-enseignants. L'année est passée très vite et nous sommes impatients de vous rencontrer. Nous aimerions discuter des progrès de votre enfant en CM1, car elle a malheureusement été absente pendant une grande partie de l'année scolaire. Nous comprenons ses obligations liées au cirque et encourageons ses talents, mais votre enfant a manqué beaucoup de temps scolaire récemment. Date des rencontres, le 15 mai
1981, lieu école élémentaire Lakeside, date limite d'inscription le 12 mai 1981. Pour vous inscrire, veuillez remettre à votre enfant une note signée indiquant le créneau horaire souhaité et le nom de l'enseignant avec lequel vous voulez vous entretenir. Nous attendons avec impatience ces rencontres parents-enseignants. Cette année, nous espérons obtenir une participation de 100% des parents. Cordialement, le directeur George Welsh. Ok, donc notre fille est assez... notre fils ou fille, je sais plus, je sais pas... est assez absente... pour cause de... parce qu'elle fait le cirque. Y'a rien là-dedans, y'a rien là-dedans, ok. Je vais fermer ce truc, hop. Est-ce que je peux prendre celui d'en bas? Oui. Mais il y a l'air de rien avoir là-dedans, ok. Donc ça, j'avais déjà vu cette photo. Et où le tourne-disque? Martha really likes them. We have different tastes. C'est pas bon d'avoir des... Oh, j'aime pas avoir des peintures comme ça chez moi. Oh, celui-là aussi fonctionne pas. Je me rapproche du tourne-disque. J'entends de plus en plus le son du tourne-disque. Ah, c'est un objet à collectionner. Il y en a 10 à récupérer dans le chapitre 1. Ok. Vieux prospectus, c'est le premier numéro qu'elle a fait ensemble. My first... Bah vas-y. Et une note là. We get these all the time. École primaire de Lakeside, Youngstown, Ohio, le 20 avril 1981. Bonjour, chère monsieur, madame et monsieur Thompson, je suis institutrice de Dory. Madame Hernandez, je suis au regret de vous dire que Dory n'écoute plus en classe et qu'elle oublie souvent de faire ses devoirs à la maison. Ses résultats aux évaluations sont également en chute. J'aimerais vous inviter à un entretien avec moi ce jeudi 23 avril dans la salle 1B02. Dites-moi si cette date vous conviendrait. Vous pouvez me joindre au numéro suivant 330-777-3891. Cordialement, Madame Hernandez. Ok, on a des mots de notre... Et là, le tourne-disque. Martha can never get enough of this track. Ah, 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 c'est drôle. Petite télé, vu qu'on est dans les années 80, la télé, ça existe à cette époque. Oh. Ah, ah, allez, voilà. Grand Canyon. Grand Canyon, Arizona. Coucou Dory, je suis allé avec ma famille au Grand Canyon. C'était vraiment chouette. Je viens à la maison bientôt, Marie. Dory Thompson, 1082 High Street, Youngstown, Ohio, 44052. Ok. On peut ouvrir... C'est trop bien, je kiffe le jeu, on peut tout ouvrir comme ça, là. Un peu... Ah. Bon, l'objectif... Il y a un truc là, regardez. Ah non, c'est... ça doit être les... On peut pas courir. Ah, on peut courir. Ah, il s'épuise vite. Et encore une note. Putain, mais on... Ah non, c'est un calendrier. Je me demande si pour une fois, famille et moi, ça va vraiment se passer. Mai 1981. Lundi 4, spectacle D plus M, voyage scolaire de Dory. Mercredi 6, club de lecture de Martha. Samedi 9, soirée en famille, barré. Mercredi 13, club de lecture de Martha. Vendredi 15, rencontre parents-enseignants Dory. Samedi 16, spectacle Martha soirée. Dimanche 17, spectacle D plus M, après-midi plus soirée. Mercredi 20, club de lecture de Martha. Samedi 23, soirée en famille. Mardi 26, entraînement plus D plus M, voyage scolaire de Dory. Mercredi 27, club de lecture de Martha. Vendredi 29, Walter congé. Samedi 30, spectacle Martha soirée. Waouh, c'est chaud. Ok. Bon, bon, on va continuer par là. Elle est bizarre un peu la maison. Ah, elle est peut-être dans sa chambre. Encore ? Putain, mais le tremblement de terre ici. Je sais pas que dans l'OAE il y avait autant de tremblements de terre. Ah, oh, c'est un truc d'invitation à un anniversaire. Fête d'anniversaire, venez faire la fête avec nous. Marie fête ses 7 ans, samedi 6 juin 1980 à 16h, 565 W. Sherman's Ave, Youngstown. Plein de gâteaux et de jeux et de bonne humeur. Dites-nous si vous pouvez venir. Elle écrit ça, c'est écrit à la main. Dory est très heureuse de cette invitation. Malheureusement, elle ne pourra pas venir car nous avons un spectacle de cirque ce jour-là. Merci pour l'invitation, Martha Thompson, la maman de Dory. Oh, la pauvre, avec, à cause du spectacle de cirque, elle a pas pu aller. Rating from Key West. Ok. Merde, je veux lire. Salutations de Key West, Floride. Cher Martin, un petit coucou de la Coast to Est. Nous passons de merveilleuses vacances au camping. Le temps est magnifique. Nous avons hâte de nous réveiller le matin pour aller à la plage. Haha, j'espère que tu fais un bon voyage. Xoxo, Catherine et José. Martha Thompson, 1032 Hyde Street, Youngstown, Ohio, 44-0552. 44-502. On va commencer à connaître par cœur le... l'adresse du... Bah du gars... voilà.
Encore un truc d'un anniversaire. Nous fêtons le 7e anniversaire de Daniel à la main. A pensé appeler Naomi pour la prévenir que Dory ne peut pas venir à la fête à cause du spectacle le même jour. Vendredi 28 mai, 17h, 256 William Road, Youngstown. La fête se déroulera dans le jardin et sera sur le thème des dinosaures. Merci de confirmer la présence de votre enfant, Naomi. Et encore une fois, elle va pas à l'anniversaire. Giraffe. She takes him everywhere. Ok. C'est sa poupée. Non, y a rien à récupérer. Ah si. Oh. Orthographe appliquée, phonétique, exercice à la maison. Intitutrice, Madame Hernandez. Date 12 mars 1981. Nom Thompson Dory. Prononcez le mot de chaque image. Le son et la voyelle est-il long ou court? Court, long. Ah oui, ok, c'est un truc où il faut dire le mot et ensuite. Ok. Est-ce qu'il y a un truc dans cette. C'est fermé, ok. Oula. Dory. Dory. Ah, il y a une sauvegarde, il va pas se passer. Ça va pas être joli ce qui va se passer. Costumes for their show. Ok, les costumes de spectacle. Dory, is that you? Ah. Ah, on est enfermé. I never liked doing my homework either. Moi non plus, jamais aimé faire mes devoirs. Moi non plus, t'inquiète pas. Langue et vivante. Grammaire, exercice à la maison. Institutrice, Madame Hernandez, date 12 avril 1981. Nom, Thompson Dory. 1. Ajoutez pour chaque nom le déterminant possessif correspondant. Ben m'a dit qu'il a oublié ses crayons. Et comment est le C? Je sais plus. Je suis tellement nul en orthographe. Le chat cherche sa nourriture. Maman a cassé son verre. Où sont posés leurs manteaux? Je dois rendre son jouet à Simon. Pouvez-vous me donner des livres? Vos livres? Écrivez chaque mot à la place dans les cases jour, avoir, bas, venir, faire. Ah oui, d'accord, ok, il faut. Waouh. Comme. Ah, c'est. Ok, j'ai. Ok. C'est des exercices pour les enfants. Il y a un truc dedans. Il n'y a rien dedans. Ici, il y a un truc. Yeah. Mathématiques. Mathématiques, placer les valeurs, exercice à la maison. Intitutrice, blablabla. Remplir les nombres manquants. 4 en plus de 30, ça fait 30 et 4 font 2 en plus de 40, ça fait 40 et 2 font. Je vous laisserai donner les réponses en commentaire. Voilà. On va voir si vous êtes bon en maths. Ok, il n'y a rien. Ah, je vais tout fouiller, je vous dis. Dans ce jeu-là, c'est bon, ça va être fouille, 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 fouille. Like a map. Putain, m'a fait peur. I took it home from the circus. It's old, but I'm fond of it. On peut faire. Oh. Ah, c'est un truc où on jette une bille et. I need a coin to put in here. Ah, il faut une pièce. C'est pas une pièce, ça, non? Ok. Ok, il me faut une pièce. Papa, résous cette énigme. Oh putain. Pas de monnaie, nanana. Je sais pas. J'ai la flemme de réfléchir. Il est 2h du mat, tu crois que j'ai que ça à faire? Ouais, elle a fermé son livre. D'accord, ok. Bon bah. Cherchons. I think it's supposed to look creepy, but Dory and I love clowns. Il est censé faire peur, mais on adore les clowns. He's missing some teeth. Ah, il faut que je retrouve des dents et tout. Oh putain. La chasse aux dents. Il y a un globe. The circus saw quite a lot of America. On peut tourner globe. Woohoo! Alors la prochaine destination, ça va être. Les gens qui font ça pour trouver leur prochaine destination, ceux qui ont de l'argent. Oh. That's Super Sloth. She reads every issue. Ok. C'est une BD. Elle loupe aucun numéro. Well, I wish she would take it more seriously, though. She's such a bright kid. Encore des exercices. Langue vivante, test et vocabulaire. Note finale 2 sur 10. Donc ça fait un F, évaluation F. Complétez les phrases ci-dessous avec les mots de la liste. Montez vos connaissances et appliquez les leçons étudiées durée 20 minutes. Tu aimes à cheval. Tu vas au soleil. Tu peux couper avec un couteau. Tu peux avoir avec tes yeux. Tu peux jouer avec ton nez. Tu aimes les cloches. Tu sais chanter de la musique. Tu aimes à un jeu. Tu aimes danser. Tu sais des chansons. Il faut compléter. Donc comme d'hab, mettez. Les réponses dans la description, dans les commentaires.
petite boîte à ouvrir. Et j'ai le droit à une pièce. Coin was for the old machine. Ah bah, let's go. Dory loves these, so I made one for her. Ah, j'aimais trop ces jeux à l'époque. J'aimais beaucoup trop ces jeux. De mettre la boule, de faire avancer la boule, tac 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 tac, jusqu'au trou sans faire tomber dans les autres trous. Je trouvais ça trop trop bien. C'est tout. Il n'y a plus rien à regarder. Pourquoi on dirait qu'il me dit qu'il y a encore un truc là alors que plus rien. Tant pis. Non, c'est parce que je peux encore. Bon, faisons la vieille machine avec notre. Stuck. I think I need to put in a coin first. Ah, c'est bon, je peux mettre la pièce. Ah, maintenant il faut faire bouger ça. Ok. Yeah, c'est les boulots qui avancent. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut attendre. C'est la course des boules. Qui boule va gagner? Bon, la physique des boules est pas ouf ouf, mais on s'en fout. On n'est pas là pour avoir la physique des boules. Let's go. Ouais, maintenant. Je ne comprends pas tout. Parce que ok, on joue à ça, mais ça fait rien. Me dis pas qu'il faut ce qu'il y a écrit en dessous. Parce qu'en dessous, il y a des trucs. Ah, mais il y a un truc à tirer là. Je suis con. Ah d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un truc à tirer. Bon bah, recommençons. J'avais pas vu qu'il y avait ça à mettre. Aïe 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 aïe. Ah voilà, première énigme, mais je suis déjà en train de bloquer, de bloquer. Tout va bien. Allez, let's go, faisons tomber toutes ces boules là, qui se bloquent en plus. Mais qui aime ce genre de jeu? Ouais, on a les boules. Ah, c'est pas les dents. Bille, vas-y, prends. Je peux pas prendre d'autres billes. Est-ce que c'est pour le mettre ici? Non. Qu'est-ce que je peux faire avec cette bille? Ah! Mais non, merde. Con. Je vais la mettre là-dedans, la bille. Let's go. Oh! On y joue vraiment? Mais c'est trop bien! Oh, mais c'est trop bien, meilleur jeu du monde! Oh là là, oh là là! Ah non, j'ai perdu! Oh là là, quel nulos! Allez, on recommence! Mais c'est trop bien! Meilleur jeu, comme je dis, du monde! Non, non! Let's go, let's go! Allez, fais tomber un peu. Ah, pas trop! Hop, hop, hop! Hop là! En vrai, ça va, c'est pas trop compliqué! Allez, va. Let's go. Ah, ouf. Putain, je suis à fond dessus. Oh putain, j'ai eu peur. C'est bon, j'ai gagné. Let's go. Oh bah voilà les dents. Bunch of plastic teeth. Let's go. Ah, je suis trop fort. Bon, maintenant, je peux mettre les dents ici. Mais il faut faire quoi avec les dents? Ah, faut que j'appuie. Oh putain. Faut que j'appuie sur toutes les dents, mais vous êtes sérieux le jeu? Putain, c'est pas fait. J'ai fait un petit sursaut. How clever. Ah, on a la clé pour le bouquin. Voilà. J'ai réussi la première énigme. Yeah. On va pouvoir enfin lire le livre. Ah, on peut pas. When I got this book, elle a eu le 3 août 1900, je sais pas combien, 40. Dory, âge 7 ans. Ok, elle dessine. Elle va au cirque. Ok, on a fait vroom vroom, il y a des animaux. En vrai, ça doit être les animaux du cirque. Des girafes, ok. Oula, les dessins commencent à devenir un peu zarbi. Oh là là! Oh là là, vous êtes sûr que ta fille va bien? Je pense pas que ta fille aille bien là. Oh là là! Oh là là, les dessins.
Allô? Vous sentez le screamer? Je deviens fou. C'est officiel, je deviens fou. What is going on? This has to be another dream. Mais oui, c'est un rêve, t'inquiète pas. Petite girafe. Marcher plus vite, courir avec Shift. S'ils me disent ça, c'est qu'on va se faire courser. Wait, this can't be. This is right by the lake near the circus. On est à côté du... Dory, is that you? Du cirque. Ok, on est obligé de suivre le chemin, on peut pas sortir du chemin. Mommy, Daddy, I found a really, really big fly. Sweetie, that's called a dragonfly. Oh, be careful. They can breathe fire. Don't be silly, Walter. You'll scare her. Ah là là là. Ah, que c'est mignon. Je suis un peu stressé par ce jeu quand même. What are you doing out here? Bah, je joue à cache-cache. Ah non, c'est qu'un poteau. Ce n'était pas Doris, c'est qu'un poteau. Ah, ce jeu, il me stresse à mort. Je suis pas bien. En vrai, j'ai l'impression en m'écoutant et tout que ça va, mais non. Je vais pas bien. C'est pour ça que je fais pas de jeu d'horreur. C'est pour ça que je fais pas de jeu d'horreur en let's play. Je suis trop... Voilà. En plus, ça, c'est qu'une démo. Yeah, I prefer not knowing my future. On peut pas faire sonner le... Ah, on peut... Ah non, je croyais qu'on pouvait récupérer... Ok, c'est pour voir son futur, ça. Bonjour, je peux voir le futur. Oh, that's Agatha's card. She's good friends with Martha. Mais elle est pas là, elle est fermée, c'est très bien. Je verrai pas mon futur comme ça. Allez, on continue de courir, let's go. Oula, le jeu a quand même des petits baisses de framerate à des moments. Oh, le bruit de la mouche qui était trop bien faite. J'ai vraiment cru qu'elle était chez moi. On passe le petit pont. Voilà, mais le jeu, il a quand même... Ça se voit que c'est une démo, il a des petites baisses de framerate. C'est dommage. Feels like ages since I've been here, but at the same time, like yesterday. The Big Show! Tonight, Big Show! Oh, il y a Big Show qui arrive! Il va nous détruire, il va nous faire un KO punch. Ok, on arrive au cirque! Ok, il est là-bas. Si, si, t'inquiète, je serai prêt. Et le petit cabaret, enfin manège. Oh, on peut! Mais non, on peut se mettre dessus. MDR. Ah, s'il est toujours en panne. Oh, that ghost train really freaks me out. Ah, c'est un train fantôme. Le train fantôme. Le train fantôme. En panne. Ah, c'est pour eux. C'est un truc de lancer de fléchettes. Il y a des trucs là. Bah ouais, putain, il y a plein de trucs. My workbench. Ah, c'est son atelier. Mais c'est, il gère le cirque à mort. Sometimes Dory tries to catch up on some homework, but... Usually not for long. Hmm. Why did somebody wrap this up? Well, let's see if we can turn the power on. Putain, j'ai tout fait péter. Merde, il n'y a plus de courant. Ah si, c'est bon. 1, 2... Ah putain, mais il faut y aller à fond. Merde. Ah mais il y a un truc ici. 1. 4. Attendez. 1, 4. Donc 1. Si j'ai bien compris, le 4. Il y a du mal à se mettre. Ah, c'est un peu de mal. Voilà, 4. Après, le 4. Le 3, non. S'il est barré, donc tac, on fait le truc. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ah, il manque la poignée. Faut que je la récupère, c'est ça? Faut que je retrouve la poignée. Ah, bah, pour brancher. Faut que je trouve la poignée. Martha prépare ici pour le show. Oh. That's Martha's blindfold. She used to wear it during the finale of her solo show. It was always scary, but I knew she would never fall. Ok, j'ai trouvé le... ajout à la collection. C'est encore un objet de collection que j'ai trouvé, trop bien. Ah, il y a des trucs scotchés. Ok. Bien fait de venir ici. Même si, pour l'instant, l'énigme, je peux pas la faire.
pense que je suis venu un peu trop tôt. On va partir d'ici. Et on va continuer. Oh, stylé le. Le fait de passer le rideau et ça fait un bruit de. Arrêtez les corbeaux. Oh. Je vous aime bien les corbeaux, mais à un moment, faut se calmer. C'est un de mes oiseaux préférés, les corbeaux, en vrai. Oh, looks like they planned some renovations. I thought we were short on money. Ah. Ah, une caisse enregistreuse. Il y a des trucs à faire là-dessus. Interagir avec quoi? Ah, avec ça. Ah oui, de l'argent. This should be enough for a few rounds. Ah, j'ai de la thune. Je suis devenu riche, c'est bon. Je peux arrêter de faire des vidéos YouTube. Hundreds of these over the years. Un barbecue. Sometimes we eat together after the shows. Putain, j'ai envie d'un bon barbecue maintenant. C'est chier. Je sais plus aller parti où, Dory. Qu'est-ce que ça dit? Activez le fusible dans la tente de coulisses avant l'arrivée des spectateurs. Off-road racing instruction. Mettez une pièce dans la fente pour commencer la partie. Dès que la moto touche un obstacle, la partie est terminée. Atteignez 1000 points pour gagner un jeton. Check fuse box. Well, maybe this one still works. Vas-y, mets ton petit. Comment je peux jouer? Je peux pas jouer. Non, j'ai pas l'air de pouvoir jouer. Ah. Non, c'est toujours. Ok, bah tant pis. Pas de jeu. Faut que j'aille là. I need a token to get into the funhouse. Where do I get it? C'est pas ça? Non? Bah, faut que je trouve des tokens pour aller dans le palais du rire. On va bien rigoler. Là, c'est quoi? Oh, I was always pretty good at this one. Ah. Ok. Au final, j'ai toujours pas trouvé le truc manquant. Peut-être que j'ai loupé des trucs. Je suis en train de me dire. Parce qu'il faut que je fasse le 6, mais le 6, il n'y a plus rien. Doesn't seem to be powered. J'ai compris que c'était pas branché et que c'est là, mais genre le 6 il est. Mais si on arrêtait de faire le 6, voyons voir la suite. Do not switch on. Le 3 ou le 2, je sais pas. Ça doit être le 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4. Mais c'est 7, c'est pas 6, 5, 7, c'est 7. Donc celui-là on peut l'utiliser. Hop. 7. Ensuite, après le 7, paf, ne jamais activer, c'est le 6. Donc, paf, on fait le 2. Paf. Ensuite, tac, 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 5. C'est juste moi qui suis con. Et après le 5, tac, 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 1. Bah, il est mis. Ah non, 5, tac, 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 3. Got it. Voilà, let's go. I can see your future. Come. You too. I just need a token of appreciation. Vas-y, mettons les pièces qu'on a récupérées. Johan is grateful for your appreciation. The great Zohan sees you have lost. Ah bon, j'ai perdu quelque chose. If you want to find it, you must search for it. Mais non. Attends, tu perds quelque chose, si tu veux le retrouver, faut le chercher. Non. C'est pas possible. Ah, il y a un long trajet. Oh wow, that's really helpful, Zohan. Je peux pas voir juste. Let's see what the future has in store for me. Alors, souvent, on a assez joué, on a assez regardé le truc. Est-ce que je peux jouer au jeu de la moto là? Où il faut faire 1000 points. Oh, ça refonctionne! Ça fonctionne ça maintenant? Regardez, est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut vraiment jouer à faire du. Mais non, on peut faire. Meilleur, mais c'est vraiment le meilleur jeu ce jeu. C'est bon, j'ai trouvé mon coup de cœur. Même si c'est un jeu d'horreur, j'ai mon coup de cœur. On peut faire du. On peut faire. Du manège. C'est trop bien. Let's go.
On peut faire du manège dans ce jeu. Donc maintenant je peux jouer à ce jeu, non? Ouais, c'est allumé. Mets-toi une pièce. Ah, let's get this on the first try. Comment ça joue? Ok, ça joue comme ça. Ok, il faut esquiver. Oh, c'est trop con. Il faut esquiver les obstacles. Hop. Et il faut aller à 1000. Faut faire 1000 points. Hop. Let's go. Oh, je suis trop fort. Après, faut dire, c'est le début du jeu vidéo. On est dans les années 80. Voilà quoi. Non. Mais non. C'est de la merde. Ah, mais on peut faire avec QED. Ah, ça va être plus simple. Parce que je faisais à la souris, mais ça va être plus simple de faire ça avec QED. J'avais pas vu QED. Parce que moi, je suis en train de faire avec la souris. Ah, ça va être plus simple avec... Avec QED. Allez, let's go. Ça va gagner notre token. Faut faire 1000 points. C'est trop bien ce jeu. Ce jeu est trop bien. Let's go. Hop. À gauche, hop. Oh là là là, mais je suis trop fort! Mais oui! Trop simple. Trop simple. Le mec il dit ça alors qu'il a perdu une fois. Bon, ça va de plus en plus vite, ce qui est tout à fait normal. Faut des réflexes. Hop là, let's go. On voit les ombres des oiseaux, c'est très cool. Ouais, moi je suis en train de regarder ailleurs au lieu du jeu. Non, vous inquiétez pas. Allez, allez, on y est bientôt. On y est bientôt. Plus que 100 à faire. Let's go. Hop. Hop. Oui. Bon, on va quand même aller jusqu'au plus haut score qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 9999? Je vais pas essayer de le faire. Enfin, je reste dans ce jeu jusqu'à ce que je perde. Et puis voilà, on va voir. En plus, ça va quand même de plus en plus vite. Oh putain, de plus en plus vite. Oh, mais je vais arriver à parler, merde. Hop, let's go, tac, tac. Hop, go, droite. Rien à esquiver, c'est trop bien. Hop, vroom, vroom. Hop là, let's go. Oh putain. Non, oh, c'est pas grave, on a notre token. Palier du jeton du rire. Eh oui, on va pouvoir aller ici maintenant. Pose ton token. Hop. Et on tourne ça. Oh oui. Salut. Je rentre dans le palais du rire, on va rigoler. C'est l'heure de rigoler, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes prêts à rigoler. Ah, temps de chargement. Pas tout de suite le temps de rigolade. Le jeu est très très cool. Comme vous pouvez m'entendre, je m'amuse bien sur le jeu. Malgré que c'est un côté un peu horreur, pour l'instant, ça va. Ok, on est dans le palais du rire. Est-ce qu'on va vraiment rigoler ou on va avoir peur? Welcome to the fun house! La dernière fois que j'ai entendu fun house, c'était pas si bien que ça. Oh, Dory always drags me through here. I think she just really likes this. Ah, mais c'est un truc flippant, mais je croyais que c'était un truc. Du palais du rire. Ouais, on tourne! Les plaques tournantes et tout. Ça, c'est déstabilisant. Quand tu marches et que t'as ces plaques tournantes, c'est déstabilisant en vrai. Putain. Let's go. J'ai pas eu peur, ça va. Oula. On a changé totalement d'ambiance. Est-ce qu'il y a des trucs à regarder ici? Ah, c'est bien fait les effets d'éclairage et tout en vrai. Putain. Objet à collectionner, le 3ème sur 10. What was his name? Oui, on va finir le jeu à 100%. Enfin, la démo. Putain, j'ai eu peur. Ça, il m'a fait peur, en vrai. Petit tapis roulant pour aller plus vite. Faut arrêter. Tu vois, j'ai pas eu peur. Parce que je suis en train de regarder ailleurs. Voilà, on arrive dans le truc flippant du jeu. Alors que le jeu, il commençait plutôt pas trop mal. Je vais arrêter le jeu, c'est bon. On arrête la démo là, ça vous dit? Sauvegarde! Tu peux aller là? Ouais, mais ça sert à rien. Changement d'ambiance. Oh là, j'aime pas du tout cette ambiance. Oh là les. Dory, enough playing around. Ah! Ces trucs là où il faut passer à travers, hop hop hop, faire un slalom et on voit rien. Oh putain.
Oh, la luminosité, s'il vous plaît, les gens. On peut pas baisser la lumière. Putain, mais faut arrêter. En plus, avec les bruits à la con, les bruits. Ah, putain, mais faut arrêter, messieurs, là. Allez, on continue. Le tuyau, le gerbator. Oh, c'est un truc de pour hypnotiser. Ok. Air Bowl, lady. J'aime pas du tout cette musique. Le screamer. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est une flèche, ok. J'ai vu le truc tomber, j'ai fait what the fuck? Qu'est-ce qui est en train de tomber? Et bah voilà, c'est une flèche. C'est bon, on a totalement changé d'ambiance. Ah non. Non, c'est pas l'heure de mourir, non. Dory, I'm serious, that's enough. Il me fait peur à chaque fois qu'il parle. Oh là là, les trucs où on se fait hypnotiser, j'aime pas ça. Putain, l'ombre m'a fait peur. Alors que c'est qu'une ombre. Le petit pont suspendu. Ah non, pas ouvrir une porte comme ça maintenant. Non, ça va. Where did she go? Bah, elle est en train d'aller dans le palier du rire. Wait, where did I go? What the fuck? Ça joue maintenant avec la perspective? Ah non, non, non. Je n'aime pas ça. Un mur. Oh non, non, j'aime pas ça. S'il te plaît, le jeu. On peut rentrer maintenant là? On a l'air. Putain, mais c'est quoi ce jeu? Oh non, un labyrinthe. Oh non. Tout sauf un labyrinthe, s'il vous plaît. Ah bah, une porte. Ah bon, bah. Ça va, le labyrinthe est pas trop compliqué. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est quoi ce truc? Y a une porte. On peut rien faire avec la porte, donc allons là. Please wait, Dory. Dory, s'il te plaît, arrête. Je vois rien. Le flair lumineux est quand même assez lumineux. Après, c'est normal, c'est une. Mais on faut aller où? Perdu. Allô, monsieur. A train? A Dory's train. I don't remember putting a motor in you. Faut le suivre. Faut suivre le train. Tchou-tchou! On suit le petit train. Allez, suivons-le. Je sais pas où est-ce qu'il va nous amener, mais on le suit. Ouais. Fine, fine. Ah, I'll play fallait le relancer. Where are we going next? Pam, padam, pam, tam. On fait le petit train. Allez, on relance encore ou il a fini? Non, faut le relancer encore. Wouhou! Oula, pars pas trop loin. J'ai pas envie de te perdre, le petit train. C'est mon ami. Mon ami le train. Ah, bah la porte. Nouvelle porte. Bonjour. Les escaliers, on aime ça. Alors, il joue un peu beaucoup sur la psychologie dans le jeu. Et j'aime bien. Je préfère... Wait, Dory. Mais Dory, arrête. Je préfère les jeux horreur psychologique que horreur avec des screamers, quoi. This must be a new addition to the funhouse. But why does it seem so familiar? C'est vrai que c'est... Je sais pas si ça te semble familier, mais moi, ça me ressemble à rien du tout. Il y a un truc là à appuyer. Ah, c'est un ascenseur. L'ascenseur de la terreur de... des Disneyland. Let's go. Pam, 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 pam. Oh. Bon bah... Le screamer? Ah non. Oh, on est en enfer. Super. C'est l'heure de l'enfer. L'enfer sur Terre, c'est maintenant. Je sais pas combien de temps elle dure la démo, mais elle a l'air de durer quand même assez longtemps. Ah, on arrive en enfer. J'aime trop cette ambiance en vrai. Même si j'ai peur, ces jeux d'horreur et tout, l'ambiance est très cool. Ah, il y a des yeux, ça faisait des yeux. Ah, c'est terminé. Ça faisait... ouais, non, au revoir. Au revoir. Je vais pas vous voir. Voilà, c'est très bien que la porte se ferme. Ah bah oui, les fameux
Le fameux couloir où les lumières s'éteignent. On aime. Ah bah! Ah, c'est fini! Ah, c'était trop. Oh, mais non, mais je voulais continuer, moi. C'était très cool. Et là, on a le trailer, c'est ça? Oh, le jeu a l'air d'être très prometteur en vrai. En vrai, ça a l'air d'être très très cool. Bah voilà. J'espère que cette démo de Réveil, c'est ça que je s'appelle Réveil, je sais même plus le nom du jeu, vous a plu? Oui, c'est ça, c'est Réveil. J'espère que ça vous a plu. Si cette démo vous a plu, cette découverte de la démo de Réveil vous a plu, vous pouvez commenter, liker et vous abonner à la chaîne. De me suivre sur Twitch, Twitter et Discord, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. C'était Link. Et voilà, c'était Link. A plus tout le monde. Bah, enfin, avant de partir, on va quand même... On peut le wishlist now sur Steam, moi il y a déjà en wishlist. Et voilà, c'est le trailer. C'est bien les trailers, donc je vous laisse le trailer. La fin du trailer. Et voilà. On va un peu regarder le trailer, le jeu vraiment a l'air d'être très très cool. Mais c'est plus ouais horreur psychologique que horreur avec des gros screamers qui arrivent dans ta tête, en vrai. Ah, il y a quand même des monstres. On a pu voir un petit monstre. On va être quand même poursuivi à des moments. Ok. Au moins on sera poursuivi. Mais ouais, hâte de voir ce jeu. Hâte de voir d'en voir plus. Vraiment, ouais. C'était cool. Réveil awaiting your soon. Ok. Il y a un QR code, je pense que c'est pour l'ajouter à notre liste. Ouais, merci d'avoir joué à la démo, mais de rien, c'était très cool. Bah voilà, on va pouvoir se quitter là-dessus. Et voilà, donc c'était Link, comme je vous disais. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. De me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. C'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.